Bonjour à toutes et à tous. Nous voici encore en plein confinement pour poursuivre nos leçons. Là, nous sommes en quatrième année des humanités. La leçon vue la fois passée portait bien entendu sur les discours directs et indirects. Nous continuons cette leçon. Nous avons fait savoir que le discours direct consiste à émettre une pensée ou une réflexion sans modification, sans changer, n'est-ce pas, les mots ou quoi que ce soit. Alors, dans les discours indirects, nous allons finalement, n'est-ce pas, transposer ou simplement reproduire la pensée de quelqu'un tout en modifiant certaines données. C'est en fait ça la différence. Alors, nous poursuivons notre leçon. Là, nous avons la transposition du discours direct, ça va, au discours indirect. Qu'est-ce qui va se passer? Lors de la transposition du discours direct au discours indirect, il y aura, n'est-ce pas, des changements qui vont intervenir. Ces changements vont intervenir notamment au niveau du verbe, ça va, et au niveau de la personne de la conjugaison, ça veut dire qu'au niveau des pronoms personnels. S'agissant du verbe, nous aurons des modifications au niveau du mode. Le mode du verbe peut changer. Nous aurons des modifications au niveau du temps du verbe, ça va? Alors, considérons d'abord le mode. Concernant le mode, nous avons seulement deux modes qui peuvent changer. Tous les autres modes ne changent pas. Rappelez-vous, nous avons six modes, n'est-ce pas? Nous avons six modes dans la conjugaison française. Nous avons l'infinitif, ça va? Le participe, l'impératif, l'indicatif, le conditionnel, ça va? Et il y a encore un autre mode qui est participial, c'est les gérondifs. Mais de tout ce mode-là, nous considérons simplement l'impératif et le subjonctif, seuls les deux modes qui subissent des changements ou des transformations. Mais tous les autres modes ne changent pas. Alors, on nous fait savoir que le mode impératif peut, n'est-ce pas, changer en infinitif. Il peut aussi changer en subjonctif. Ça veut dire quoi? Quand nous avons une phrase dans laquelle le verbe est conjugué au mode impératif, l'impératif, n'est-ce pas, va devenir l'infinitif ou encore le subjonctif. C'est à vous de choisir parce que là, nous aurons finalement deux possibilités. Alors, la première possibilité, prenons cet exemple, va-t-on? Là, nous avons, n'est-ce pas, le point d'exclamation, n'est-ce pas? C'est un ordre, c'est une phrase qui est impérative, ça va? Parce que le verbe est conjugué au mode impératif. Faites attention, ça, ce n'est pas une phrase exclamative, mais c'est plutôt une phrase impérative. Ça va? Et on se rend compte que ici, la tonalité est tellement haute, le ton est tellement brutal, qu'on a placé, n'est-ce pas, un point d'exclamation au lieu de point final. Va-t-on? Ordonne le sergent. Ça va? Et ça, c'était le discours direct. Voyez, si on doit considérer la phrase du sergent, nous sommes là, va-t-on. Va-t-on, c'est la phrase du sergent. C'est comme ça que le sergent a parlé. Ce sont les mots du sergent. On n'a pas, n'est-ce pas, changé le mot du sergent. On a reproduit fidèlement le mot du sergent. Alors, considérons le discours indirect. Nous aurons ceci, partant toujours du verbe va-t-on, qui est déjà l'impératif. Nous aurons ceci, le sergent lui ordonne, ça va, de s'en aller. De s'en aller, c'est simplement le verbe aller, n'est-ce pas? C'est le verbe aller. Alors, le sergent lui ordonne de s'en aller. Là, nous avons l'infinitif. Ça, c'est l'infinitif. Et nous avons une deuxième possibilité, toujours pour le mode impératif. Le sergent lui ordonne qu'il s'en aille. Cette fois-là, ce n'est plus l'infinitif. Cette fois-là, nous avons affaire, n'est-ce pas, au subjonctif. Ça va? Donc, l'infinitif et le subjonctif, n'est-ce pas, ont simplement remplacé le mot impératif. Ça va? Donc, dans une phrase pareille, chaque fois que nous aurons un verbe conjugué au mot impératif et qu'on demande de transposer cette phrase-là au discours indirect, nous aurons deux possibilités. Soit nous pourrons recourir à l'infinitif, soit nous pourrons recourir au subjonctif. Ça va? Bien, nous évoluons.
Nous sommes toujours au niveau du verbe. S'agissant cette fois-là du temps, pour le temps du verbe, nous devons comprendre que si la proposition principale introductive est au présent ou au futur simple, retenez bien cela. Pour le temps du verbe, il n'y a que deux temps qui n'entraînent pas, n'est-ce pas, qui ne font pas appel, n'est-ce pas, au changement. Ça va? Et ces mots-là sont simplement le présent et le futur. Ce sont ces mots-là, n'est-ce pas, qui n'entraînent pas, n'est-ce pas, des changements dans la transposition du discours direct au discours indirect. Prenons le cas de la phrase, il dit, ça va, qu'on travaille. Vous voyez ici, notre verbe est là, au présent. Ça va? Il dira qu'on travaille. Nous avons ici le présent, là nous avons le futur simple. Donc le verbe de la proposition principale est là. Ici également le verbe de la proposition principale est là. Ce sont les propositions introductives, ce sont les propositions principales. Et ces deux propositions, n'est-ce pas, que ce soit au présent ou au futur simple, ont entraîné, n'est-ce pas, n'ont entraîné aucune modification dans la transposition. Donc le temps du verbe n'a pas changé. Nous pouvons prendre un autre exemple. Papa me demande, ou encore, là nous allons finalement, on essaie de retourner à l'impératif. Prenons une phrase telle que papa me dit, papa me dit par exemple de travailler. Ça va? Papa me dit travaille, oui. Papa me dit je voyage demain. Par exemple, nous prenons cette phrase-là. Papa me dit, je voyage demain. Cette fois-là, c'est qui parle? C'est papa. C'est papa qui vous parle. Il vous dit, je voyage demain. Alors, si vous transposez une telle phrase au discours indirect, qu'est-ce que nous aurons? Papa me dit qu'il voyage demain. Ça va? Vous voyez, on n'a pas modifié le verbe ou le temps, pardon, du verbe que papa utilisait dans le discours direct. Et s'il faudra considérer le futur simple, papa, ça va, me dira, là nous avons retourné au futur simple, dans la principale. Papa me dira qu'il voyage demain. Ça va? Donc le temps du verbe n'a pas changé dans la proposition subordonnée. Travail est resté le même. Pourquoi? Parce que dans la principale, nous avons le présent ou le futur simple. Et dans la subordonnée, il n'y aura pas de changement. Ça va? Retenez les choses dans ce sens-là. On peut prendre encore une autre phrase. Dieu est bon. Dieu est bon. À vous, le prêtre. Par exemple, ça va? Le prêtre avoue que Dieu est bon. C'est clair? On a le présent dans la principale et dans la subordonnée. Le verbe n'a pas changé. Le temps du verbe n'a pas changé. Et s'il faudra recourir au futur simple, le prêtre dira que Dieu est bon. Vous voyez que la subordonnée reste la même. Le temps du verbe n'a pas changé. Bien, on évolue. Nous allons approfondir cette leçon après le confinement avec beaucoup, beaucoup de travaux. On va évoluer. Alors, là, c'était, n'est-ce pas, par rapport aux deux temps, n'est-ce pas, qui, eux, n'est-ce pas, n'entraînent aucun changement dans la subordonnée. Ça va? Les deux temps ici, le présent et le futur simple, n'entraînent aucun changement de la proposition subordonnée. Alors, si seulement nous avons un temps autre que le présent et ou le futur simple, en ce moment-là, nous allons, n'est-ce pas, recourir à la concordance de temps. Rappelez-vous la leçon que nous avons étudiée sur la concordance de temps. Là, nous avons, n'est-ce pas, parlé, étudié, évoqué les aspects ou les valeurs de mode. Nous avons parlé du conditionnel, nous avons parlé du subjonctif. Rappelez-vous un peu de cette leçon-là. Vous vous rendez compte que cela est beaucoup plus simple. Question simplement de suivre les règles. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Si la principale introductive est au passé, le discours indirect doit tenir compte de la concordance de temps. Alors, l'imparfait marque généralement la simultanéité. Ça va? La simultanéité, vous vous rappelez, c'est simplement une situation dans laquelle nous avons deux actions qui se produisent au même moment. Là, c'est la simultanéité. Ça va? Au même moment.
Alors là, nous avons l'exemple de la phrase « Il disait qu'il travaillait ». Nous supposons que pendant qu'il disait, il était en train de travailler. Ça va? Donc on peut situer les deux actions, n'est-ce pas, au même moment de la ligne du temps. Ou encore, si nous devons considérer simplement, nous considérons simplement la phrase grammaticale telle qu'elle est là, il disait, ça va? Parce que puisque nous devons respecter la concordance de temps pour des besoins d'harmonie du temps, il disait travailler. Donc l'imparfait ne fait appel que à l'imparfait. L'imparfait ne peut jamais faire appel au présent, sinon il y aura télescopage, ça va, il y aura disharmonie. Donc nous devons voir, il disait travailler. Là, il y a concordance de temps. Alors, le futur simple et le futur antérieur, les deux temps ici marquent la postériorité. La postériorité voudrait dire quoi? Nous avons une situation telle que, une situation qui se produira bien plus tard, ça va? Une situation qui se produit dans le futur, ça va? Va annoncer finalement une situation qui se produira bien plus tard, toujours dans le futur. Donc nous avons affaire à deux situations, ça va? La première situation, c'est au niveau de la proposition principale, cette situation intervient ici, ça va? Et la deuxième situation, c'est celle qui va, n'est-ce pas, intervenir toujours dans le futur, mais elle sera cette fois-là postérieure, n'est-ce pas, à la première situation. Et là, nous avons, il dira, ça va, nous sommes toujours dans le futur, et qu'il travaillera, ça va, donc il travaillera bien plus tard dans le futur, ça va, vraiment à l'horizon, très plus loin, on ne sait pas quand est-ce qu'il va travailler. Ça va? Mais il a dit toujours dans les futurs, mais qu'il travaillera bien plus tard. Donc, c'est la situation en fait que nous avons ici. Retenez les amis, les futurs simples et les futurs antérieurs, n'est-ce pas, sont les deux temps, n'est-ce pas, qui marquent la postériorité. Si à nous, cette fois-là, maintenant, de jouer sur la concordance de temps, nous pourrons aussi avoir affaire, par exemple, au conditionnel. Ça va? Si nous avons, par exemple, ici, le verbe de la subordonnée est au futur, et que ici nous avons le futur, cette fois-là ça sera très différent. C'est à nous de voir comment jouer, parce que le conditionnel peut aussi, n'est-ce pas, remplacer le futur simple. Ça va? Il dira, ça va? Il dira, il avait dit plutôt, il aura dit qu'il travaillerait. Là nous avons, n'est-ce pas, affaire au futur antérieur. Il aurait dit, c'est le futur antérieur, n'est-ce pas, dans la principale. Et dans la subordonnée, au lieu de dire qu'il travaillera, on dira plutôt qu'il travaillerait. Vous voyez? Donc, en situation où nous avons le futur antérieur ici, dans la subordonnée, nous n'aurons que le conditionnel présent. C'est à nous de voir comment jouer avec la concordance de temps. Rappelez-vous, quand nous avons travaillé, n'est-ce pas, les modes, surtout le conditionnel, parce que c'est au niveau du conditionnel que nous avons, n'est-ce pas, nous pouvons retrouver cette situation. Alors, nous allons évoluer, nous terminons ici par rapport au temps du verbe. Le plus que parfait, lui, il va exprimer l'antériorité. Ça va? L'antériorité, n'est-ce pas, d'une action par rapport à une autre qui est intervenue bien avant. Il avait dit, ça va? Il avait dit qu'il avait travaillé. Ça va? Là, nous sommes dans le passé. Nous supposons que l'action de dire, ça va, est intervenue, et l'action de avait travaillé est intervenue bien longtemps dans le passé. Si il avait dit l'année passée, peut-être qu'il avait travaillé l'année écoulée. Ça va? Là, nous sommes dans la situation, n'est-ce pas, d'antériorité. Il avait travaillé l'année écoulée, mais il avait dit l'année passée. L'année passée est plus proche du présent. Hein? Ça va? Vous voyez simplement la ligne du temps, vous allez comprendre tout ce que j'ai dit. Là, nous avons la ligne du temps. Il a dit tout près du, il avait dit tout près du présent, mais il avait travaillé bien longtemps. On ne sait pas. C'est vague. Ça va? Bien, nous allons évoluer. En tout cas, il faut faire très bien attention parce que cet aspect ici, ça complique parfois. Donc, il faudra encore relire votre leçon sur le mode et la concordance de temps qu'on a déjà étudié. Nous passons à la personne cette fois-là. Nous allons chuter par ici. Quant à la personne, c'est
nous devons savoir que la personne, pour la personne, nous, nous devons comprendre que la première personne et la deuxième personne deviennent souvent la troisième personne. Parce que la première personne, c'est la personne qui parle normalement. C'est lui, c'est elle, pardon, l'énonciateur. Ça va? La première personne, c'est elle, l'énonciateur. Et la deuxième personne, c'est la personne à qui l'on parle. Donc cette personne-là, cette fois-là, sera ce qu'on appelle l'énonciateur. Si la première personne est l'énonciateur, la deuxième personne est l'énonciataire. C'est clair? C'est la personne à qui l'on parle. Et la troisième personne, c'est toute personne. C'est toute personne, ça va? Là, il n'y a pas de précision. Donc, nous devons savoir que en ce qui concerne la personne, c'est le sens qui doit guider. Il faut faire très bien attention. Et là, nous avons un devoir à faire. Nous allons approfondir cette leçon juste après le confinement avec beaucoup d'exercices pour bien fixer la leçon. Nous avons des devoirs à faire pendant le confinement. Transposons au discours direct les phrases ci après. Le Dieu dit, nous avons mis un petit Dieu, hein? Le Dieu dit, cela vous arrive. Point. Ça va? On ferme les guillemets. L'oracle lui ordonne, partez. Là, nous allons ne pas transposer ça au discours indirect. Toutes ces phrases ici sont au discours direct. Nous, nous allons simplement les transposer au discours indirect. Elle nous demanda, quel conseil me donnerez-vous? Ça va? Elle dit, je suis lasse. Ça va? Donc, nous allons travailler ces phrases. Si nous pouvons encore rencontrer d'autres livres, prenez au gré de vague 2 aussi. Si vous l'avez à la maison, vous trouverez vers la fin, vers les dernières pages, il y a des travaux par rapport au discours direct et indirect. Si vous avez encore un autre support dans lequel vous pouvez rencontrer des travaux, voyez comment est-ce que vous pouvez encore vous occuper à travers ces exercices pour bien fixer la leçon. Et quand nous allons revenir après le confinement, nous ne manquerons pas de revenir sur toutes les leçons et de bien les fixer, n'est-ce pas, à partir des travaux et des différents exercices que nous ferons ici sur place. Je vais m'arrêter par là. Je suis toujours avec vous, je suis de cœur avec vous. Je vous porte vraiment dans mon cœur, chers élèves. En tout cas, respectons les gestes barrières que l'OMS nous a proposés. En tout cas, ne sortons que s'il y a nécessité. Au cas contraire, restons à la maison. Et si nous devons sortir, nous devons nous munir de notre masque. C'est très important. C'est vraiment important, cela va nous couvrir, cela va nous protéger. C'est vraiment salvatrice. Et comme nous protégeons, nous allons par là protéger aussi notre prochain. Et c'est comme ça que nous pourrons vaincre la pandémie. Bien, nous allons nous revoir, que Dieu vous garde.